Salut, 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 salut Fada du Bocal, comment allez-vous? Et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il y a quelque chose d'exceptionnel, exceptionnel, du fait il y a une naissance dans le bac de ce 300 litres. Allez, sans plus tarder, je vais vous montrer l'individu en question. Alors, il est où? Je cherche. Alors, je l'ai vu il y a juste un instant et depuis il est disparu. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai sorti mon téléphone portable hier et je l'ai filmé. Donc, j'aurais voulu filmer avec cette caméra pour avoir une très très belle qualité d'image de ce tétraodon. Eh bien, il y a un petit tétraodon hein, que vous allez voir sur. Ah, il est là, ça y est, je le vois. Il est là, ce petit bonhomme. Qu'est-ce qu'il est mignon. Voilà, il est tout petit, il fait 1 cm. Alors, apparemment, il n'y en a qu'un. Et il se cache derrière les feuillages, derrière les plantes là-bas. Alors, il est là. Il est là. Il est là, il est là. Voilà, il est tout petit, minuscule. Alors, je ne sais pas qui est le papa, qui est la maman. Mais en tout cas, il est très très mignon. Alors, comment il est arrivé là, ce petit tétraodon? Eh bien, la reproduction est très simple. Il faut qu'il y ait beaucoup, beaucoup de plantes, de plantations dans un bac, bien ciclé, bien sûr. Et la mère est déposée les œufs dans les mousses de Java, ou dans les coins où il y a très, très peu de poissons qui viennent les déranger. C'est exactement le même processus que les Danioré Rio. Vous ne verrez jamais les œufs. Personnellement, je n'ai jamais vu parce que vu la forêt. Okay. Donc, où les œufs sont éclos entre 30 et 35 heures, 36 heures, 37 heures, suivant la température du bac. Ce bac, il fait 26 degrés actuellement. Généralement, ces poissons, c'est dans les 24 degrés. Mais même avec la chaleur, vous voyez que ça reproduit. Et ce qui est étonnant encore plus, c'est que ça cohabite vachement bien avec des Amazoniens, même si c'est un poisson asiatique. Je l'ai acclimaté très, 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 très lentement, hein, au goutte à goutte. Et là, dans le bac, il y a un pH de 6,3, 6,4. Or, un tétraodon nain a besoin d'un pH de 7 en gros et une conductivité de 500, 550. Et là, le bac, il fait 280, 300 de conductivité. Et par miracle, voilà, comme quoi la science n'est jamais exacte, les tétraodons sont nés dans un bac. On va dire amazonien parce que l'eau elle est assez acide, donc voilà comme quoi des fausses idées on peut le mettre de côté. Là, c'est vraiment du pratique, c'est-à-dire que comme vous voyez, le petit tétraodon nain il est là, il est né dans ce bac. Et une autre petite info, mon bac, il a un peu zag,
parce que je m'en occupe plus beaucoup en ce moment. J'ai beaucoup de travail et comme vous voyez tout à l'heure, il y avait pas mal d'algues. Je fais une petite vidéo en même temps que le tétraodon pour montrer l'évolution de ce bac. Je vais remplacer un petit peu le sol noir par le sable, les deux côtés sur le chemin, ce côté et ce côté. Vous voyez la profondeur. Malheureusement, les ramirisis là, ce couple là, ils m'ont fait un carnage. Ils ont creusé, ils ont mélangé le sable avec le sol pour pondre. Donc c'était pas prévu parce que ce couple de ramirisis, ils étaient dans ce bac là. Donc comme ils ont eu des alevins, ils ont eu plus d'une centaine d'alevins, donc j'ai décidé de les enlever et de les mettre là. Et il faut que je refasse un petit peu le sol. Dès que mon autre bac, il sera prêt pour la reproduction des ramirisis. C'est un bac qui va spécifique pour eux. Donc voilà la petite nouvelle de cette vidéo, c'est que je suis super content d'avoir un bébé tétraodon. Donc vous voyez tout à l'heure là, c'est le mâle, il court derrière la femelle. À mon avis, fait crac crac boum boum. Voilà les dernières nouvelles les amis. Donc je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée. Et puis, je vous dirai à la prochaine. Si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à lâcher une pouce. Et puis, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, c'est gratuit. Il y a plein de vidéos. Regardez, il est là-bas, le petit tétraodon. Bon, on le voit pas, mais... on le voit pas. Non, parce que là, il y a le reflet du soleil. Et il est au fond, il est tout petit, il est tout roux, tout ronde. Voilà. Bon si la prochaine fois, si j'ai une autre nouvelle, je vous ferai partager tout ça. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Et je vous dis à bientôt. Salut les fadets du bocage. Ciao.